Je souhaiterais vous parler de la Nationale 20. Alors, la Nationale 20 a été construite par les Romains, du temps de César. Ça a été une route romaine. Pas roumain, romaine, c'est pas pareil. Et puis depuis, Montrouge est installé autour de la Nationale 20, du cercueil, etc. Je vous passe un peu son histoire. Et puis, il y a eu la vache noire qui appartient à Arcueil. Il y a eu la vache noire. Alors au début, il y avait des boutiques. C'était juste une route où, par où on passait. C'était pas un rond-point. Il y avait un marché d'alcool, je me souviens. Il y avait quelques boutiques par-ci par-là. Puis elles ont été détruites pour être remplacées par le centre commercial, la vache noire. Qui est un fiasco. Parce qu'il y a des boutiques qui viennent, qui reviennent. Parce que ça ne marche pas autant que ça. Parce que sur la Nationale 20, il y a quand même d'autres magasins. Il y a pas loin de la Yann. Il y a Forum 20, où il y a Cora, et d'autres boutiques qui étaient là bien avant la vache noire. Il y a la vache noire, il y a plus loin, il y a un casino qui a été déplacé. Et elle va jusqu'à Orléans. C'est pour ça qu'il y a la porte d'Orléans jusqu'à Orléans, la ville, à peu près. Près. Voilà. Et en ce moment, moi je travaille à venir à Cilbriand, la Nationale 20, qui normalement ne s'appelle plus la Nationale 20. C'est la Nationale 920. Peu importe. Moi je continue à appeler Nationale 20. Et on voit la différence des quartiers. Il y a des quartiers où il y a des graffitis partout, c'est moche, c'est bon. Et d'autres où c'est beau. C'est beau parce que c'est un peu plus chic. Et je voudrais aussi vous parler des voitures. Normalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est limité à 50. 50. Pas 150, 50. Moi, je respecte. J'embête tout le monde, mais je respecte les 50. Je sais très bien que avec une voiture, nous avons une arme avec nous. On peut tuer quelqu'un, ou bien on peut se faire tuer. On peut se tuer nous-mêmes. Ça peut être dangereux. Alors, moi je fais très attention, je roule à 50, mais on me déboule, on me double. À gauche, à droite, on me fait des coups de poisson. C'est du n'importe quoi. Le feu passe rouge, et c'est rouge tomate. C'est vraiment gros rouge. Et bien, chou, ça passe quand même. Il n'y a pas que les voitures. Les vélos, il y en a un sur un million qui s'arrête. Sinon, les autres, ils passent. Ils regardent, ils passent rouge. Peu importe, rien à faire. Moto, pareil. Le bus aussi, hein, faut pas couper. Et il y a, je n'oublie pas, les piétons qui font n'importe quoi. Souvent, les piétons critiquent les voitures, et oui, les voitures critiquent les piétons. Mais vous êtes tous pareils, moi je vous le dis, hein, vous êtes tous pareils. En tant que piéton, ça m'est déjà arrivé de passer au rouge. Je ne peux pas le dire. Je vous mens pas. En voiture, non. Je fais toujours très attention. Comme je vous dis, parce que c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention. Parce qu'il y a des voitures, c'est ça. Moi j'appelle les cons du volant. Parce qu'ils font n'importe quoi. Certains disent les fous du vol ou les rois du vol ou les rois de la route. Pour moi, ce ne sont pas des rois. Des rois, ils respectent les autres. Eux, ils respectent. Rien que dalle. Ils pensent que rien ne va leur arriver. Même pas une amende. Rien. Ils sont les maîtres du monde. Alors, j'avoue que parfois, je les embête un peu. Je me mets à la ligne de gauche. Je conduis normalement. Hein. Je ne fais pas exprès non plus. Parfois, il y en a derrière qui appellent de phare, qui me colle aux fesses pour que je me dépêche. Sauf que je vais à mon rythme. C'est à ce moment-là que je les embête. Et je m'arrête, bien sûr, au feu rouge. Ou même au feu orange, parce qu'au feu orange, normalement, on doit freiner et s'arrêter. Au feu rouge, on doit pareil. Voilà.
Voilà, je vous ai parlé de la SEM National 20, qui est dangereuse, presque aussi dangereuse que l'autoroute. J'ai jamais eu d'accident sur la National 20, par chance. Mais il y en a eu. Il y a eu des accidents. Voilà, alors faites attention à vous, mesdames, messieurs. Entre parenthèses, souvent on dit que femme au volant, accident au tournant. Y a plus d'accidents avec des hommes que des femmes, parce qu'elles sont beaucoup plus prudentes. Bravo à vous, mesdames. Il y a aussi des fautes du volant, hein, mais beaucoup moins que des hommes. Cette critique est finie. Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous pour une prochaine critique très très bientôt, qui sera peut-être moins accidenté et moins rapide. Enfin, celle-ci a quand même duré à peu près 6 minutes.